Ok, impeccable. Ah. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud. Billy, c'est toujours pile ou face. La map est pas dégueulasse. On a la map de la cabane, donc il y a une bonne loupe, on va dire. Cette loupe-là est pas si forte que ça, ici. Par contre, mon ruin, je crois, est ultra exposé. Il me semble avoir vu quelqu'un là-bas, mais je suis pas sûr. On va directement partir ailleurs. On a vu quelqu'un là-bas. On a vu personne? Si, on a vu quelqu'un, oui. Bien sûr, je me disais, je crois que c'est chez lui d'ailleurs. Il y a une fenêtre ici. Ah non, c'était directement. Ok. On va pouvoir lui mettre un coup avant. On vient de faire une erreur un peu là-dessus. Malgré le fait que j'ai pas Bamboozle, avec Bamboozle ça va tomber directement. Ok, on a plusieurs personnes ici, on va les empêcher quand même de finir le générateur tranquillou. Nice. Moins deux personnes, ça aurait été bien de pouvoir mettre un hit là-dessus. J'ai eu un petit bug. Ok, on va récupérer Shell. Non, pas pour le moment. Toujours l'autre qui est là. Il va pouvoir choper la palette. Ok, il l'a pas prise. Du coup, il va se prendre un hit là-dessus, il me semble. Nice. Ok, il me baisse la palette juste derrière. Nice. Il a fail à la fois, en fait, le... Parce qu'en gros, je l'ai bodyblock, il aurait dû passer de l'autre côté. Là, il a fail à la fois la palette, plus... plus en gros le fait de me stun, etc. Donc là, ça coûte très cher, il vient de niquer une palette d'un jungle gym pour rien. Et en plus, il a pris un coup. Donc les deux sont blessés là-bas. On va essayer de passer par là. On a vu qu'ils étaient là, les deux. Ok, nice, on a les deux Cotorep qui sont blessés. On va aller directement serrer celle-là qui va dans un angle. C'est ce qu'on veut, personnellement. Elle tombe là-dessus. Elle pouvait pas. C'était pas le côté du T, ça aurait été un T, elle aurait pu peut-être s'en sortir. Mais le fait que ça ne soit pas un T, c'était la baise. Celui qui a libéré Shelly, c'est l'autre. Donc on a information sur à peu près tout le monde. On va directement avoir l'info sur celle qui se soigne, normalement. Non. Ok, on a une info sur quelqu'un qui est juste ici. Ok, il a pas baissé la palette, l'autre était resté juste à côté. Bien joué ça. On va directement aller dire bonjour aux deux autres là-bas. Je suis sûr qu'ils sont en train de se soigner en mode sans respect. Ouais, il y en a bien un ici au moins, des deux. On va directement foncer sur le mec qui est blessé. Ok, nice. Elle va baisser la palette. Ok, c'était bien joué ça en vrai. Super bien joué même. Ils ont réussi à trouver mon ruine. Très compliqué de la loupe. Elle garde bien la distance. C'est très bien joué. Il sandbag un peu. Nice, elle se prend un hit là-dessus. Elle va baisser la palette. Ok. On va directement la détruire. On va repartir sur elle. Oh, dommage. Ça aurait pu passer ça. Ou en tout cas avoir la palette directement. C'était un pari risqué en fait de rester sur la palette pour faire ça. C'est ultra chaud parce que ça demande un timing de ouf. Là je me suis un peu bloqué, c'est dommage. Bah, il fallait que je l'amène en fait. Je savais que à un stade, elle avait gris de la palette et pas gardé la loupe. Si elle avait gardé la loupe, en fait, elle m'aurait gardé beaucoup plus longtemps. Et là, le fait qu'elle ait gris de la palette, ça lui a coûté plus cher. Par contre, faut me respecter, Shell. Voilà. Faut des calmes, même si le générateur est bientôt fini. Sinon, j'allais des boîtes Insta. Ah, Shell, c'est pas beau, ça, hein. Pas rester à côté. Tu sais que t'as Springburst, mais ça sert pas à grand-chose.
Faut peut-être mieux l'utiliser avant. On a l'autre ici. On va directement chercher celle-là. Qu'est-ce que t'as encore bien joué, quoi. On a réussi à brain là-dessus. En faisant des droites gauche. On a vu que de toute façon, il réagissait... il jouait très très bien le brain et la distance sur la loupe. Du coup, je me doutais. Le générateur là-bas va finir. Ouais, c'était quasiment sûr qu'ils allaient faire ça. Bon, ils sont tous les trois ici. On a info sur tout le monde. Ok. Elle va tomber là-dessus. Si on part pas trop. Nice. Ils sont où les autres? On va directement la récup. Sinon, elle va finir sur la palette. Ça va être chiant. Vu qu'il y a tout le monde qui est là. Il y a quelqu'un derrière moi. Je sais pas c'était qui. Entre Shelly et l'autre. Ouais, ils sont direct récupérés. Très bien joué ça. Je vais garder l'autre. Elle a encore bien joué là-dessus. Chier quoi. Je sais pas où elle est partie en gros. Je préfère garder deux personnes. Je sais que elle, de toute façon, elle va rester à côté de sa pote. Pas que sa pote ne tombe. Est-ce qu'il y a une palette ici pas loin? Semble pas. Du coup, normalement, on pourrait la tronçon. Nice. Ok, je sais pas où est sa pote par contre, je l'ai perdu de vue, l'autre que j'avais hook s'est fait des hooks. Je me rappelle plus à combien de temps, ça aurait été intéressant, j'ai l'impression de voir des traces là-bas, non. Ok, on a les trois ici, ok. C'est une bonne info ça. Il y a toujours la palette ici. On va pouvoir lui mettre un coup à elle peut-être. Nice. Fais une erreur là-dessus. Qu'elle va directement décale. Ça, c'était mon gros avantage sur cette loupe. Là, ils ont plus beaucoup de palettes au mid. Ils ont déjà tout utilisé. On utilise la tronçon pour se rapprocher un petit peu. Je crois qu'elle s'est bloquée, non? Nice. Non, ça devrait pas le faire. Ah, ouh, c'était pas loin en tout cas. Elle m'emmerde un peu, elle. Je sais pas comment elle s'est soignée aussi vite d'ailleurs. Je sais pas comment elle s'est soignée aussi vite du tout même. Ouais, ça paraissait évident. Regardez qu'elle directement. Ils ont vraiment les distances bien en main. Il y a l'autre qui est là pour bloc. Du coup elle fait rien et ça c'est à mon avantage. Tu vas tomber là-dessus. Bah vas-y, tu veux... Si tu veux prendre la place de ta patte, y'a pas de soucis. Hein. C'est bien joué. Très beau 3-6. Encore bien joué. On va jouer un peu avec elle. Dommage. Encore bien joué. Très très beau ces 3-6. Elle joue bien, elle. Hein. L'autre a été récupéré. J'étais peut-être trop gentil, hein. Je sais qu'elle était morte sur une que l'autre. Et je leur laisse un petit peu plus de temps dans leur game. En tout cas pour se mettre bien. Mais je sais pas si elle meurt sur Hook. Il me semble que les deux, je les ai en P2. Ok, elle est morte sur Hook. On a info sur à peu près tout le monde. Juste regarder quelle entrée. Ok, l'entrée là-haut. C'est de la merde ça, c'est rien de faire. Elle gagne pas de distance. On va pouvoir la tomber là-dessus. Ils sont pas assez réactifs. Je pense qu'ils ont pas encore réussi à deviner. L'autre peut-être a deviné déjà les add-ons que j'utilisais, mais celle-là non. Elle avait pas du tout les add-ons, le feeling des add-ons. Je sais pas si elle est en P3 elle aussi. Ça semble hein. Elle est en P2, on n'a pas d'infos par contre, ok. Merde. On sait où sont les deux. Ah oui, c'est vrai que je joue murmure amer. Incroyable.
Elle vient de faire une erreur là-dessus. Non, elle va avoir la palette quand même. On va plus charger la conso d'abord avant. Il ne reste plus qu'un générateur, hein. Faut faire attention à ça. Il a bien gardé sa distance. La loupe là-dessus, ça va être compliqué vu que j'ai pas banbouzzle. Je peux pas bloquer cette fenêtre. Donc on va directement repartir sur les deux autres. Je crois que t'es en P2 chez lui aussi, non? Ah, je te connais par cœur. On appelle le Brain Master, ok? J'ai peut-être déjà oublié ça. Je croyais vraiment que j'allais partir de ce côté-là, alors que c'était le côté le plus dégueulasse. Non, on me la fait pas, moi. Moi, je vois tout. Ok, chez Ikebook. Ah, pas d'infos, sûrement sur celui-là. On avait au moins une personne, peut-être les deux. Je crois qu'on avait les deux, j'ai entendu quelqu'un bouger ici. Les deux sont du même côté, ce qui est une erreur, parce que chez lui, le problème, c'est qu'il va pas pouvoir se récupérer là-dessus. Elle vient de faire une erreur là-dessus. Nice, je gagne la palette, ça c'est super cool. Ce qu'on veut, c'est la conso, le plus possible. Ok, on va partir directement sur l'autre. Et juste là, ce qui est dégueulasse comme position. En gros, là, elle a plus aucun moyen de loop. Même là, la fenêtre, elle peut pas la prendre. Je savais qu'elle voulait feinter à partir de là. Parce qu'elle aussi savait en fait qu'elle allait pas pouvoir prendre la fenêtre. Donc en gros elle savait qu'elle allait mourir là-dessus quoi. Ils ont très bien joué en tout cas la duo là, elle plus sa pote. C'est très bon, c'est eux qui m'ont fait perdre le plus de temps je pense. Un petit crouch. Ouais. Forcément le meilleur des bails clairement. Bonjour. Tu sais que je t'entends quand même, non? On a la trappe, on sait où elle est. Elle sait où elle est, du coup c'est elle que je veux down en premier si je veux faire un 4 kills. Shelly a pas l'info en fait sur la trappe à mon avis. Elle est pas venue dans ce coin là. C'est pas assez bien joué. Faire semblant. Elle vient de me faire une feinte du futur ou c'est moi là? Dans celui-là là? Non? Ok, d'accord. C'était putain de bien joué. J'aimerais bien savoir en fait comment elle a fait cette feinte parce que c'était ultra propre. Elle a pas laissé de traces en fait à l'extérieur du jungle et du coup j'avais aucune info de où il était. Rends-toi chez lui, faut pas que tu restes là. Clairement, je vais pas te respecter sinon. On va taper le générateur, il est déjà bien bien avancé. Dommage, merde! J'aurais bien aimé choper au moins la palette directement. Ça aurait été très très bon, l'autre générateur a pas avancé, je l'ai en visu. En gros, je sais où sont tous les générateurs. On va voir un petit peu ce que tu donnes, j'ai là-dessus. Je crois que ça a été un tout petit peu tendax, tu baisses la palette, ce qui est une erreur aussi. Oh, merde! Pas du tout. J'ai foiré, bordel! Ski! Je sais pas si je passais là, pour ça que je préfère éviter. Ok, bah jouer le même bike avec l'autre. Je sais pas si on va tourner directement. Nice. Elle a pas pris la fenêtre. Elle a directement décalé. Elle aurait dû par contre décaler de l'autre côté. Elle va tomber dessus. Je pense qu'en vrai, l'autre mérite la trappe. Je suis désolé, Shelly. C'est comme ça. En vrai, l'autre a super bien joué. Et à mon avis, il mérite la trappe. Il doit pas être très loin d'ailleurs. Ça m'attendrait qu'il soit allé sur un générateur. Ok, il était vraiment allé sur un générateur, franchement il joue bien. Hein. Ultra propre s'il vient de faire.
On a info, il essaye de quoi va attraper. Ou on va jouer avec lui. Enfin, en tout cas, contre lui. Là, le problème, c'est que moi, j'ai Bloodlust. Et lui, au bout d'un moment, il va tomber là-dessus. Je sais. On va pas jouer la Bloodlust. On va essayer de la tomber à la réglo. Dommage. Ah, bien joué. Ça aurait été stylé. En tout cas, elle méritait la trappe. Largement. Et yo, Solaris, Mantalo, Labatimo, comment ça va? Et yo, Seb aussi. Well played. Très, très bien joué, en vrai. Une team solide. C'était intéressant comme game. Méritait, je pense, largement de sortir, hein, Chiro.